Bonjour à tous, ici Raven de la Team Taika, et aujourd'hui on termine les dernières quêtes, le trio, avec le Jinga supérieur, où là lui il est un peu plus violent. Quoique le Diablo c'est pas mal violent, j'avais dit qu'il avait pas de seconde phase et en fait au final il en a à peu près une. Bon, ça vaut pas celle du bain de sang bien évidemment, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Faut le souligner. Et du coup oui, alors dommage qu'il fasse pas de l'élément dragon, parce que vu les éclairs noirs qu'il a, ça fait vraiment penser à du dragon. Donc je trouve ça juste un petit peu dommage qu'il l'ait pas mis, mais bon, pas très grave. Donc là on va se faire le Jinga, qui lui est comme le Thunder Lord, hein, donc c'est pas très différent. Mais il a des combos assez vénères, de ce qu'on a vu dans la quête Calamité, il m'avait un peu mis mal. Bon, là on est dans un endroit qui me convient très très bien. Un endroit où je sais, je connais mon chemin pour aller chercher les spectres oiseaux. Le Rajang d'ailleurs pourra nous être utile. Ok. Oh, s'il te plaît, le chien. Merci. Quand même. Arrête d'être débile. Bon, alors, il y a eu un souci, il y a eu un bug assez violent, comme d'hab, hein. On commence à avoir l'habitude. Du coup, il y a toute la première partie du combat qui a été loupée, il s'est pas passé grand chose, j'ai juste tapé avec le Rajang et fait quelques coups avec ma lame. C'est pas passé grand chose quoi. Donc, on va essayer de voir avec un deuxième combat au cas où. Enfin un deuxième combat. Une deuxième partie de combat plutôt. Déjà la livure c'est enfuie. Hein. Proto. Ah oh, confusion putain. Ouf. Oh purée, dommage. Oh purée. Ah oui, quand même. Eh ben heureusement que j'étais pas... En plus il hurle à la fin, c'est cool ça. Voilà. On va essayer de les calmer.
confusion. Bon, ça va, il est pas énervé, donc ça devrait passer. Mon chat est intervenu, c'est parfait. Mon chien, je sais pas, j'ai pas vu. Ok, le record, il va toujours bien. Ok, il s'enfuit. Oh, il y a Rajong qui s'est ramené. Oula. À cette vitesse. Oh non, bah je suis mort. Ah non, ça va. Le fléau électrique, c'est sûrement le pire fléau qui puisse exister. Ah bah oui, bah là je me suis fait punir. Hein. Oh merde. Oh j'ai plus de machin. J'avais plus de philoptère, ça aurait pu être là. Oh j'ai confusion, bon bah je suis mort. Non ça va. Qu'est-ce que je voulais faire? Ok. Mais alors le nombre de fois où il active son ulti, c'est un truc de fou. De toute façon, je me serais fait toucher. Aïe. Ouais, il manquait un coup. Ah, mine de rien, il était pas évident, hein. Ah, c'était pas le Diablos, hein. Contre lui, c'était un peu plus délicat de placer les IA. Bon, ça va, là. Heureusement que la deuxième partie du combat, elle était intéressante, parce que comme ça, du coup, bah, on a pu voir quelques techniques supplémentaires, donc comme ça, c'est pas très grave si le début du combat n'a pas été validé. Par contre, c'est impressionnant. Hein, le... Bon, après, oui, alors il se charge vite déjà. Et surtout, c'est que dès qu'il a l'occasion d'utiliser. Enfin, son ulti, il l'utilise dès qu'il peut. Hein. C'est ouf. Enfin, dès qu'il est en charge, c'est bon. Ulti, 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 quoi. C'est assez abusé. Pour l'instant, au niveau des monstres supérieurs, je pense que pour moi le premier c'est le Tama et ensuite le Jinga. Après le Diablos. Après Rathalos Rathian et en dernier l'Awashira. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse.